Le musée de l'Opéra cantonais ouvrira bientôt au public. Près de l'œuvre, au centre du musée, sur l'échafaudage, un groupe de personnes termine leur travail. Ce monsieur s'appelle Ruo Liang. Il est l'héritier de la sculpture sur brique de Lingnan, patrimoine culturel immatériel de la province du Guangdong. Il est aussi l'auteur de ce mur-écran, une gigantesque œuvre sculptée sur brique qui est presque achevée. Avec l'installation de la dernière pièce, le gros œuvre de cette sculpture est achevé. C'est une reviviscence magnifique du célèbre spectacle de l'Opéra cantonais, la nomination du ministre d'État commun par six rois. La scène, au style ancien, fait de plus de 1000 pièces, est achevée. Une soixantaine de figurines sculptées sur briques seront installées dedans. Dans le pavillon, s'assoient les spectateurs qui attendent l'entrée en scène des acteurs. Un spectacle merveilleux va se produire. Ce mur-écran est une œuvre de Ruo Liang, la symphonie d'oiseaux et de fleurs. Sur l'énorme mur-écran, les oiseaux viennent rendre hommage au phénix et leurs postures sont variées. Les caractéristiques particulières de la sculpture sur brique de Lingnan sont représentées par cette scène éblouissante. Différente des autres écoles de sculpture sur brique, la sculpture de Lingnan utilise depuis des centaines d'années des briques vertes, petites et épaisses. Comme l'eau se réunissant pour former une rivière, les briques deviennent des pièces élaborées sous les mains habiles des artisans. De nombreux éléments montés de façon tridimensionnelle présentent un festin visuel qui émerveille les gens. Voici l'ancien bourg de Shawan, au sud du district Fanyu, à Guangzhou, pays d'origine de la sculpture sur brique de Lingnan. Shawan jouit de la réputation de région d'origine de la sculpture sur brique. Aujourd'hui, on trouve encore des traces de la sculpture sur brique dans ces bâtiments. En tant que natif de Shawan, Ruo Liang y a passé la plupart de sa vie. Aujourd'hui, il sort tôt de chez lui pour accepter une mission importante. Le hall de Liugang, temple des ancêtres du clan He, situé au centre du bourg ancien de Shawan, est la destination de Ruo Liang. Dans deux mois, la Piaose de Shawan, une activité folklorique annuelle, se déroulera ici. Pour promouvoir un autre patrimoine culturel traditionnel de Shawan, qui est la sculpture sur brique de Lingnan, les descendants He invitent Ruo Liang à créer une œuvre qui sera exhibée dans le hall principal du hall de Liugang. Depuis l'Antiquité, la sculpture sur brique existe en tant que forme d'ornement et de décoration extérieure. En un sens, c'est juste un accessoire des architectures traditionnelles. Tout au long de sa carrière, Ruo Liang a passé son temps à créer des murs-écrans en plein air de grande échelle. Mais dans son cœur, il a toujours eu ce vif souhait d'amener la sculpture sur brique à l'intérieur des bâtiments pour en faire une œuvre artistique, fine, exhibée dans un hall. C'est pour cela que Ruo Liang a décidé cette fois-ci de créer une œuvre de petite échelle, un mur bâti. Malgré la petite taille, il n'épargne pas ses efforts. Le style artistique, hautement réaliste de la sculpture sur brique de Lingnan, demande qu'on dessine l'esquisse de façon précise et détaillée.
L'achèvement de l'esquisse n'est que le début du travail compliqué. La prochaine étape est le traitement des matériaux. Il faut d'abord couper soigneusement les briques sélectionnées pour les transformer en matériaux de taille uniforme. En ce qui concerne la préparation des matériaux, Rochelian a l'habitude de préparer le double du volume dont il a réellement besoin. Ce n'est pas un travail superflu. Le traitement des matériaux ressemble à parier sur les pierres quand on choisit des matériaux en jade. Simplement, taper l'extérieur et écouter le son ne suffit pas à déterminer la qualité du matériau. Les briques, présélectionnées, doivent être jugées de façon plus rigoureuse pendant le découpage. Par la suite, le découpage du surplus, une étape cruciale du traitement des matériaux. Sous l'oscillation du burin mécanique, l'artisan doit tourner les briques soigneusement le long des lignes dessinées. Les poussières vont cacher les motifs de l'esquisse, ce qui rend ce processus d'autant plus difficile. Cette étape seule est des techniques d'un artisan. Il faut du temps et de l'expérience pour avoir à la fois stabilité et précision. La sculpture commence après le traitement des matériaux, avec la fabrication de l'ébauche. Avant cette étape, Rochelian met une autre couche de papier et dessine une esquisse avec soin. Il lui faut garder à l'esprit que le niveau de profondeur est différent selon les positions. De manière générale, la peinture est un art graphique et la sculpture un art tridimensionnel. La sculpture sur brique est entre les deux. Sur le plan des briques, à travers une variété de reliefs de profondeurs diverses et d'autres techniques, on réalise des superpositions complexes. La fabrication de l'ébauche est la base de tout. La saisie avec précision sur la profondeur tridimensionnelle est la technique que chaque artisan de sculpture sur brique doit posséder. De nos jours, avec l'aide de la machine, on gagne du temps quand on fabrique les ébauches, mais le niveau de difficulté augmente en même temps. Comme la machine fonctionne très rapidement, une simple découpe définit la forme. Par rapport au passé, cela demande de la part de l'artisan un jugement plus précis sur la profondeur tridimensionnelle. On doit avoir des idées bien arrêtées sur les différentes profondeurs de coupe de chaque partie. Aux yeux de beaucoup, l'environnement de travail de la sculpture sur brique est mauvais. Mais Rochelian n'y fait pas attention. Au contraire, il s'en réjouit. Les poussières de briques qui dansent dans l'air suscitent une plus grande passion de création en lui. Après la fabrication des ébauches, on entre dans l'étape de la fabrication des ébauches fines. Pour avoir un meilleur contrôle de la force,
L'artisan doit tenir le burin de façon plus naturelle et plus confortable. Parfois, le burin bloque inévitablement la vue de l'artisan sur la partie travaillée. Maintenant, Rochelion est en train de sculpter à l'aveugle. Il doit avoir des idées bien arrêtées sur la force et la direction de chaque mouvement du burin. Les briques ont une texture spéciale. Même les meilleures briques risquent de se casser pendant la sculpture. Après la première fabrication des ébauches, les briques ont déjà perdu un tiers de leur poids. Le caractère cassant des briques et leur poids de plus en plus léger augmentent considérablement les chances d'accident. Par conséquent, la fabrication des ébauches fines est l'étape la plus difficile du processus entier. Oh. Malgré son travail minutieux, un accident s'est produit. Les années d'expérience de Rochelion n'ont pu éviter une certaine situation, l'échec du burinage. À cause du caractère cassant des briques vertes, les échecs constituent un phénomène assez courant chez les artisans. Depuis l'Antiquité, même les plus grands maîtres de sculpture sur briques de Lingnan peuvent avoir deux ou trois échecs de burinage pendant la sculpture d'une pièce. Cela n'est pas considéré comme un manque de technique. Même un artisan de sculpture sur brique bien habile ne sait jamais dans quelle situation il se trouvera à la prochaine minute. L'échec du burinage ne détruit pas l'œuvre entière. Un artisan doit savoir comment minimiser l'effet intentionnel causé par cet échec le plus naturellement possible. Rochelion travaille dans cette posture depuis 10 heures. Au fur et à mesure, l'oiseau a pris forme. Mais Rochelion ne peut pas se relâcher. Du début du travail à maintenant, Rochelion a passé tant de temps sur une seule partie d'une pièce. Il ne peut se permettre un autre accident. La fabrication des ébauches fines tire à sa fin. Et Rochelion doit redoubler d'attention, car un échec de burinage pourrait détruire tous ses efforts précédents. En pleine fabrication de bons fruits de Lingnan, l'autre œuvre de Rochelion, la nomination du ministre d'État commun par Sirois, s'achèvera bientôt avec la finition des figurines sculptées. Le travail final commence. Sous la direction de Rochelion, les disciples installent avec soin les quelques 60 figurines sculptées sur l'échafaudage de 40 mm de profondeur. À ce moment précis, Rochelion est le metteur en scène de ce grand spectacle d'opéra cantonais.
Il compte finaliser l'œuvre en une journée. Chaque figurine sculptée a sa position adéquate. Il faut faire des ajustements subtils, de façon répétitive, afin d'atteindre le meilleur résultat pour cette sculpture de Lingnan. Le temps passe et la soirée tombe. Rocheliang et ses disciples ne songent pas à se reposer. Il sait très bien que l'attention aux détails est la clé du succès d'une œuvre. Rocheliang adhère à ce principe depuis plus de 20 ans de carrière. Petit à petit, étape par étape, l'assemblage complexe est enfin achevé. Avant cela, on a traversé de nombreuses étapes, comme le dessin de l'esquisse, le triage des briques, la fabrication des ébauches et la sculpture des détails. L'œuvre créée, à partir de rien, a enfin pris forme. La création de la nomination du ministre d'État commun par Sirois a pris toute une année. Avec l'achèvement de la nomination du ministre d'État commun par Sirois, Rocheliang peut maintenant s'engager à 100% à la création de bons fruits de Lingnan. Il ne reste pas beaucoup de temps et il doit faire de son mieux. Après la fabrication des ébauches fines, il se met à sculpter les détails. Par rapport à la fabrication des ébauches fines, cette étape lui paraît beaucoup plus simple. Il s'agit de sculptures de bas-relief qui, du point de vue de la difficulté technique, est beaucoup moins risquée. La sculpture des détails est une démonstration des techniques de l'artisan. Rocheliang travaille de façon minutieuse sur les briques vertes. Les différentes parties ont besoin de différents burins. Il change de burin librement et habilement. Rocheliang, qui aime bien la gastronomie, fait souvent une analogie entre la sculpture des détails et la cuisine. Les étapes précédentes constituent la culture des meilleurs ingrédients et la sculpture des détails et la cuisson de ces ingrédients à petit feu. L'analogie n'empêche pas que des accidents aient lieu pendant la sculpture des détails. Rocheliang prend une petite pause pendant le dernier travail et s'inquiète un peu. Il s'efforce depuis longtemps à éviter la situation la moins espérée. Même si par hasard, l'accident a lieu malgré tout. Pendant son travail sur le bec d'un oiseau, une fissure sombre est soudainement apparue. Cette fissure sombre est ce que Rocheliang espérait le moins voir. Le bec est une partie importante de la tête de l'oiseau. Le moindre changement sur le bec va entraîner la modification totale du dessin originel. Ce qui veut dire que toute la sculpture précédente sera refaite.
L'ébauche de l'oiseau doit absolument être modifiée encore une fois par Rocheliant, qui procède de nouveau à la fabrication d'une ébauche fine. Rocheliant doit faire très attention maintenant, car la sculpture à cette profondeur est risquée et un autre accident ruinerait le travail de plusieurs jours. Il est déjà très tard dans la nuit et le travail d'aujourd'hui de Rocheliant a sa fin. Mais il est loin d'avoir terminé car il s'agissait juste d'une pièce de l'ensemble. Pendant les prochains jours, chaque composant va traverser le même traitement et des accidents imprévisibles pourront avoir lieu sans cesse. Rocheliant ne peut qu'accepter un défi inconnu après un autre. Les cotonniers florissants, le printemps tombe dans le petit bourg. Nous sommes à une semaine de la fête Piaosi qui aura lieu le 3 mars du calendrier lunaire. Dans l'atelier de Rocheliant, après 2 mois de travail, l'œuvre Bon fruit de Linan va bientôt s'achever. Bien que la sculpture des détails ne soit pas encore finie, Rocheliant décide de procéder à la prochaine étape, l'assemblage. L'assemblage tridimensionnel est l'une des caractéristiques de la sculpture sur brique de Linan. L'assemblage plan réalisé est aussi plein de défis. Après un simple assemblage préliminaire, la beauté exquise de l'œuvre peut déjà se voir, mais on est encore loin du produit fini. Dans le process de pinceau, nous sommes très attentifs à sa détaillation. C'est une œuvre de sculpture sur brique de Rocheliant, étang de lotus. D'après Rocheliant, cette œuvre est inspirée par étang de lotus au clair de lune. La célèbre prose de Zhu Zexin. Par rapport au mur écran de grande échelle qu'il a créé avant, cette œuvre a des détails plus raffinés. À part la sculpture exquise, l'assemblage sans écart émerveille les gens. Incroyablement, elle est composée d'une centaine de pièces sculptées. L'assemblage commence. On creuse plusieurs rainures sur les surfaces adjacentes des deux briques. Plus les rainures sont profondes et nombreuses, meilleur est le résultat. La fonction de ces rainures est similaire à celle de la mortaise et du tenon en menuiserie. On applique ensuite de façon uniforme de l'huile d'alorite sur les surfaces adjacentes. Les rainures permettent à l'huile d'imbiber l'intérieur des briques pour réaliser une meilleure jonction. Par la suite, on presse étroitement les deux briques pour rendre uniforme l'huile d'alorite qui remplit les creux entre les briques et les colle ensemble.
Le prochain travail de Rochelian est de faire de petits ajustements sur la jonction pour effacer toutes les traces du traitement. Après l'assemblage, on procède encore à la sculpture des détails. L'œuvre, Bon fruit de Lingnan, est enfin achevée. Dans ce mur bâti rond d'un mètre de diamètre, les techniques merveilleuses de Rochelian ont produit une scène bien vivante. C'est une parfaite idylle de Lingnan et une démonstration vivante des mœurs de Lingnan. Dans quelques heures, Piaoce va commencer. Rochelian et ses disciples sont en train de déplacer l'œuvre dans le hall de Liogang pour la montrer au public. Piaoce est l'une des dates les plus importantes de l'année pour les locaux. Les gens s'y réunissent et s'amusent. Rochelian a amené sa famille qu'il a peu vue après des mois et des mois de dur travail. La fête lui donne une opportunité de récompenser sa famille. Il va partager le fruit de son travail avec eux.